Ok, super. Donc merci Damien, effectivement. Donc là, l'idée c'est de parler maintenant des perspectives de l'acte. Et effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont sur les perspectives. Donc je vais essayer déjà d'y répondre au maximum pendant pendant l'intervention. Et s'il manque des éléments, on pourra continuer pendant la phase de discussion. Donc là, du coup, vous l'avez bien compris, on est dans une phase à l'issue des expérimentations. On a eu une première expérimentation internationale. Maintenant, on a fait un focus sur l'expérimentation acte PME-ETI. Il s'agit maintenant, du coup, de développer la démarche et de développer le dispositif acte. Du coup, on a terminé ces phases-là. Cette expérimentation PMETI qui a été réalisée dans le cadre d'un programme Life Clean Foot, et il s'agit voilà maintenant de progresser. Au niveau des prochains enjeux qu'on a identifiés pour progresser, c'est la massification. Donc, dans la massification, c'est notamment de développer des nouveaux secteurs d'activité qu'on couvrirait grâce au dispositif ACT. Éventuellement de faire d'autres expérimentations locales comme on a pu faire avec les PME et ETI en France. Un deuxième enjeu, c'est la formation. Donc il y a tout un enjeu de formation et de montée en compétence de l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les entreprises, les évaluateurs, les pouvoirs publics, les acteurs de la sphère financière, par exemple, tous ceux qui sont parties prenantes ou parties intéressées de ACT. Un troisième enjeu, c'est de communiquer, donc pour faire connaître le dispositif et de recruter aussi de nouvelles entreprises à l'international. Il y a aussi des enjeux un petit peu de R&D, R&D propre à ACT, donc c'est-à-dire comment travailler sur des par exemple sur des pays émergents. On a un projet là qui devrait démarrer en 2019 sur le Brésil et le Mexique pour définir des trajectoires dans ces deux pays-là. Et expérimenter du coup ACT. Il faut qu'on ait des outils informatiques pour pouvoir du coup progresser et proposer du coup l'évaluation via le dispositif ACT, et puis qu'il y ait aussi une gouvernance et un modèle d'affaires d'une manière générale pour déployer ce dispositif. L'idée, c'est qu'à la fin, on ait un cadre commun pour améliorer la dynamique au niveau international et faciliter du coup l'évaluation des stratégies climat des entreprises. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ces enjeux-là? Le premier, donc au niveau des développements méthodologiques, on a identifié un nouveau secteur du coup à explorer. Ce qu'on a lancé du coup à la suite de l'expérimentation, c'est le développement sectoriel au niveau du bâtiment, construction et exploitation ou gestion immobilière. Là, l'idée, c'est de développer une méthodologie ACT internationale sur la base de ce qu'on a fait en France avec ACT PME-ETI sur ce secteur-là. Donc ça, c'est jusqu'à fin 2018. On a identifié aussi le secteur des coûts des transports, toujours pareil, en élargissant ce qu'on a fait en France à l'échelle internationale en 2019. Et puis, il y a aussi d'autres secteurs qu'on a en tête, par exemple oil and gas, tout ce qui est chimie, tout ce qui est ciment, etc. Donc d'autres secteurs qu'on a identifiés et qu'on essaiera de développer le plus rapidement possible en fonction des ressources, que ce soit financières ou humaines, qu'on aura du coup pour ça. Mais en tout cas, ils sont bien identifiés et on espère du coup les développer très rapidement. On a aussi en parallèle une assistance technique actuellement. Qu'est-ce qu'elle permet, cette assistance technique? En fait, elle permet de harmoniser l'ensemble des méthodologies sectorielles que l'on a. Donc, les trois secteurs historiques, l'électricité, le commerce et la construction automobile, sont en train du coup d'être revus à la suite des expérimentations pour intégrer les retours d'expérience. On est aussi en train du coup de développer les outils d'évaluation associés suite à l'expérimentation. Donc, l'idée, c'est d'avoir des vrais outils propres qui permettent effectivement de faire une évaluation ACT, que ce soit une auto-évaluation ou une évaluation par des personnes externes. Et ça consiste aussi à rédiger des lignes directrices pour le développement de nouvelles méthodologies sectorielles. Vu qu'on est dans une phase de développement de nouvelles méthodologies par secteur, ça nous aidera du coup à faciliter, enfin, ça nous facilitera, pardon, la rédaction et le développement de ces méthodes. Donc cette assistance technique, elle est en cours, elle se termine fin 2018. Ça veut dire que fin 2018, plutôt début 2019, on aura des méthodologies propres, des méthodologies sectorielles propres et des outils d'évaluation pour ACT. Donc, on sera prêt du coup pour le déploiement. En termes de formation, maintenant, donc le
le dispositif de formation qui a été imaginé, c'est le suivant, c'est d'avoir du coup trois parcours de formation, un parcours de sensibilisation qui serait sur une demi-journée. Donc là, pour le plus grand nombre et pour bien comprendre du coup les méthodologies et le dispositif ACT, un parcours d'une journée de formation. Plutôt pour les entreprises et les évaluateurs qui veulent être en capacité de suivre l'accompagnement et de réaliser une évaluation, enfin de comprendre la méthodologie ACT plutôt, pardon. Et puis ensuite, un troisième parcours de 2 jours de formation où là, on aurait voilà l'aspect complet plutôt pour les évaluateurs de manière à être capable de faire une évaluation ACT avec les méthodes et les outils existants. Donc du coup, sur ce volet formation, donc avec le CDP qui est notre partenaire historique, on est en train de réfléchir à ça et de développer du coup un accord avec l'association Bilan Carbone pour démarrer cette phase de formation. Les sessions seront ouvertes à tous les secteurs avec une volonté de spécialiser par secteur à terme. Et puis on espère du coup, on lancera du coup ce dispositif de formation avec notre partenaire du coup l'ABC à partir d'octobre 2018. Sur la communication maintenant et le recrutement, nous ce qu'on souhaite donc à partir du moment où on sera prêt, c'est de recruter de nouvelles entreprises avec des niveaux d'engagement différents. Donc des entreprises qui pourraient s'engager à réaliser une évaluation ACT, donc une auto-évaluation. Une entreprise qui s'engagerait à communiquer sur sa performance ACT. Une entreprise qui viserait un objectif de performance ACT, qui par exemple dit voilà moi je souhaiterais être à 15 minimum sur l'évaluation de ma stratégie climat, ou s'il n'y a pas de référentiel sectoriel aussi de s'engager à participer à un développement méthodologique pour développer ACT. Donc ça, c'est sur la partie entreprise. Et sur la partie investisseur, c'est aussi une cible, effectivement, de ACT. Ce qu'on aimerait bien faire, du coup, avec les investisseurs, c'est pour ça qu'on les avait invités dans le comité de suivi de l'expérimentation ACT PME-ETI, c'est que, eux, ils utilisent les évaluations ACT issues des entreprises pour, dialoguer et obtenir des engagements de la part des entreprises qu'ils possèdent, en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un retour d'expérience, par exemple, qu'on avait eu le 13 mars, où une entreprise nous avait dit, voilà, je me suis engagé dans ACT sur demande de mes investisseurs. On souhaiterait aussi approfondir ce point-là et avoir aussi des investisseurs qui, du coup, dialoguent avec les entreprises dans lesquelles ils investissent et obtiennent des engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre au regard du dispositif ACT. Et donc pour ça, on va du coup communiquer. Il y a beaucoup de manifestations qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. Une aujourd'hui dans le cadre du Global Climate Action Summit à San Francisco. Donc ça a lieu aujourd'hui. On aura une journée sur la finance, donc le Climate Finance Day qui aura lieu en novembre. ACT sera aussi présent au World Forum for Responsible Economy au mois d'octobre à Lille. Il y a aussi, on a candidaté du coup pour exposer pendant la COP24. Voilà, ça c'est les grosses manifestations à venir. Il y aura d'autres manifestations aussi, mais sur les gros points, ce sont ces éléments-là. Dernier point du coup sur les perspectives, c'est aussi du coup développer une gouvernance pour pouvoir piloter ce dispositif et puis trouver un bon modèle économique. Sur la gouvernance. On est sur quelque chose de très générique, très basique, mais efficace sur la manière du coup de porter ACT, avec du coup une gouvernance au niveau global et une gouvernance au niveau local. Donc local, ce que vous entendez, c'est par pays. ACT étant une méthode et un dispositif international, il y aura effectivement des éléments miroirs dans chaque pays. Après. De manière assez classique, on aura un board pour prendre les décisions, un comité de consultation pour du coup nous aider et nous orienter sur ce dispositif, et puis un secrétariat pour faire vivre du coup pour faire vivre ACT. Et puis d'un point de vue méthodologique, on aura des groupes de travail méthodologiques pour développer de nouvelles méthodologies. Là, typiquement, ce qu'on fait actuellement avec le secteur du bâtiment. Et puis donc il y aura des comités miroirs dans chaque pays intéressé pour du coup déployer ACT.
Donc voilà, ça c'est assez classique. Sur le business model, l'idée c'est pas de faire rentrer énormément d'argent sur Axe, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que on a un dispositif qui dans lequel il faut investir pour développer de nouvelles méthodologies, pour communiquer, etc. Et que du coup, il y ait un juste retour des choses pour que le système s'équilibre à la fin et que bah, tout ce qui est effectivement en lien avec le paiement, par exemple, d'une évaluation acte, voilà, retombe dans le pot commun de acte et serve du coup à faire vivre ce dispositif et surtout à le déployer, à le développer et à le maintenir, pour qu'il reste du coup efficace et pertinent dans l'évaluation d'une stratégie climat pour anticiper une transition bas carbone. Voilà sur les principales perspectives pour Act. On arrive du coup à la question, au moment des échanges. Alors j'essaie de répondre au maximum aux questions qui avaient été posées. Il y en a peut-être d'autres qui sont intervenues. Je te propose de garder la main pour qu'on voit ton Ouais. écran, Edouard. Oui, il y a d'autres questions qui sont apparues. Alors, le temps tourne, on va essayer de faire court et puis on fera une réponse écrite. Sur la mise à disposition des outils et des grilles d'évaluation, est-ce qu'il y a un calendrier de prévu? Ne serait, bah, déjà dans le cas d'une auto-évaluation. Voilà, c'est une des premières questions D'accord. qui est. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les méthodologies, elles sont accessibles. Si vous allez sur le site actproject.net, qui est le centre de ressources de Act, vous avez accès à l'ensemble des méthodologies. Alors, ce sont les méthodologies brutes, ce sont les méthodologies donc issues des expérimentations. Comme je l'ai dit, elles sont en train d'être corrigées pour du coup intégrer les retours d'expérience que l'on a eus. Mais ça, c'est accessible et vous pouvez déjà d'ores et déjà y aller pour télécharger les méthodologies. Sur la question des outils, là, on les développe pour qu'ils soient opérationnels d'ici fin 2018, début 2019. Donc là, on a cette échéance-là effectivement pour la mise à disposition des outils. En parallèle, il faut qu'on soit clean aussi sur le modèle d'affaires pour pouvoir du coup s'insérer dans le dispositif ACT et pouvoir faire des évaluations, qu'elles soient en auto-évaluation en interne ou des évaluations en externe par des consultants ou d'autres opérateurs. Donc voilà, les outils seront prêts en début 2019 et il faudra que, du coup qu'à ce moment-là, on ait aussi un business model qui soit bien élaboré pour lancer la machine. Alors, une autre question sur le, tu l'as évoqué, mais peut-être trop rapidement sur le recrutement des entreprises, en gros, pour Oui. connaître un peu les modalités, comment on fait acte de candidature. Alors, on avait effectivement prévu de faire une campagne de recrutement qu'on va du coup faire un peu différemment. Là, l'idée, c'est effectivement de recueillir les bonnes, enfin, les manifestations d'intérêt sur Act lors de manifestations comme aujourd'hui, ici à la WebConf ou au Global Climate Action Summit, et du coup de recruter des entreprises. Donc là, on est plutôt sur de l'informel pour le moment, mais l'informel marche aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à si vous êtes intéressé à vous manifester dès maintenant. On formalisera effectivement l'engagement et ensuite on pourra démarrer de manière opérationnelle, comme j'ai dit, je pense début 2019. Ok, une question aussi sur les pays émergents, Oui. voilà, à quelle région était identifiée, avec un intérêt, enfin la question était tournée vers l'intérêt de travailler avec les pays plutôt francophones et non anglophones. Voilà, donc Je ce que suis pas sûr de bien avoir saisi la question du coup. est-ce qu'en gros l'idée derrière c'est de enfin la question était de savoir à quel pays tu pensais quand tu parlais de pays émergents, je ne pense pas que tu les aies cités, et de dire qu'en effet il y a un intérêt à travailler, enfin la question était là, le débat en tout cas, un intérêt à travailler avec les pays plutôt francophones qui vont moins vers les démarches internationales. D'accord. Là, pour le moment, donc sur ce dispositif, on essaie effectivement d'activer le réseau aussi à l'international. Sur vraiment ce projet sur les pays émergents, c'est un projet. Alors ça, je suis passé très rapidement là-dessus. C'est piloté par l'ADEME.
et l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales, avec une subvention du Fonds français pour l'environnement mondial. Et l'idée, c'est au Brésil ou au Mexique de définir via le dispositif ACT, mais via aussi également le projet qui s'appelle Deep Decarbonization Pathway Project de l'IDRI, des trajectoires de transition pour ces deux secteurs, pour ces deux pays-là, par secteur d'activité, et ensuite de les faire tester par une dizaine d'entreprises par pays, donc 20 entreprises au total, une dizaine au Brésil et une dizaine au Mexique. Donc voilà, ça c'est ce qui est dans les cartons, qui démarra du coup en 2019. Après, il peut y avoir d'autres initiatives, mais qui sont pas encore en projet pour le moment. Ok, merci Edouard. Je vois l'heure qui tourne. J'ai essayé de regrouper au maximum les questions. Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu. On fera une réponse collective sur les dernières questions. Je vais redonner la main. Ah, bah non, je pense qu'Emeline, tu as repris la main. Oui, tout à fait. C'est bon, ok. Je reprends la main, merci. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup Edouard. Je vous prends encore quelques petites minutes afin de conclure cette webconférence. Simplement pour vous dire que donc nous sommes à notre 26e webconférence et donc du coup il y en a 25 autres avant et que l'ensemble des replays et supports sont disponibles sur le site de la PCC. Un vaste panel de sujets a déjà été traité. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, très rapidement, si dans la salle vous êtes vous-même un bureau d'études et que vous réalisez des missions de conseil sur les thématiques qui s'affichent à l'écran, j'ai envie de dire rejoignez la PCC pour venir participer à nos groupes de travail et à nos diverses activités. N'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse contact@. Donc plein d'avantages à venir nous rejoindre. Et également, si vous êtes une organisation et que vous cherchez un expert ou une personne pour vous accompagner sur ces différents métiers, nous avons un annuaire qui permet de repérer ces experts par domaine de compétences, par spécialité sectorielle, par zone géographique. Donc, vous pouvez aller soit piocher directement dans l'annuaire pour contacter les experts qui vous parlent, soit directement m'envoyer un message pour que je puisse vous aider à trouver parmi les membres APCC lequel correspond le mieux à votre demande. Et également, nous sommes constamment en recherche de partenaires puisque nous organisons pas mal d'événements et là, du coup, on a besoin de partenaires pour mener à bien tous ces projets magnifiques. Il me reste simplement à vous remercier, donc merci beaucoup Damien, merci Rémi, merci Edouard et merci Maëva vraiment pour vos interventions et également remercier nos partenaires que sont l'IFC et Actu Environnement. Soit dit en passant, l'IFC et Actu Environnement mettent à votre disposition un code promotionnel pour vous offrir respectivement 10 et 15% sur leur offre, donc uniquement aux participants des webconférences de la PCC. Vous retrouverez ce code promo dans le message automatique que vous recevrez après la webconférence, ainsi que votre attestation de participation. Voilà, s'affichent donc les différentes modalités pour que nous restons en contact, donc n'hésitez pas. Et dernier vraiment petit mot, un petit sondage va apparaître à la fin de cette présentation. C'est important pour nous d'avoir votre retour afin de vous proposer quelque chose qui soit toujours en phase avec vos besoins. Donc ça prend vraiment 2 minutes chrono et pour nous c'est vraiment très utile. Donc il est 12h03, on n'a pas trop dépassé, c'est vraiment super, on répondra aux questions par écrit comme l'a précisé Damien pour ceux qui malheureusement n'ont pas eu de réponse aujourd'hui. Et il me reste à vous souhaiter un bon appétit, une belle fin de votre journée et vous dire à bientôt pour une prochaine édition des webconférences de la PCC. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Thank you.